personnage, atmosphère et destinée. Il y a un titre que j'adore et un livre que j'adore et que je trouve merveilleux, c'est « La fuite de Monsieur Monde », qui est un roman extraordinaire d'un type qui décide de partir. Il va à Monaco, si je ne m'abuse, il fout le camp, c'est une petite vie ordinaire, et il décide de partir, de tout lâcher pour vivre une autre vie. C'est toujours le génie de Simenon, c'est de prendre des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires et comment ils arrivent à aller au bout d'eux-mêmes. Et donc je trouve que La fuite de Monsieur Monde, c'est un titre magnifique et le roman est un grand roman de Simenon. J'ai relu il n'y a pas longtemps La fuite de Monsieur Monde, que j'ai trouvé extraordinaire. Il y en a un que j'aime aussi énormément, que j'ai relu mais un petit peu plus en arrière, c'est La chambre bleue. Voilà, mais il y en a plein, hein. La neige était sale, tout ça, c'est... Il y en a un autre là, extraordinaire, le titre va me revenir, je vous le dirai, qui est aussi incroyable. J'aime particulièrement ce qu'on a fait à la télévision avec Denis Malval. On a fait avec Solo et Darroussin, j'ai fait un très joli film qui s'appelle La mort d'Auguste, vraiment, qui est remarquable. Et aussi, j'ai fait aussi La boule noire avec Bernard Campan. Et je trouve que ce sont des adaptations de Jacques Santamaria, qui est un grand passionné de Simenon. Pardon. Et je trouve que ce sont vraiment des adaptations. Ce sont des vrais films dans les années 65, enfin, qui sont retranscrits dans cette époque-là, qui ont été faits pour France 3, que je trouve que ce sont vraiment des films merveilleux. Voilà. Je crois que c'est par John Simenon qui sait que je suis fan de son père et je crois que c'est venu par lui et donc après j'ai été contacté pour lire ce premier Simenon et j'en suis très, très heureux parce que je suis vraiment un grand fan quoi, donc il n'y a pas de tricherie dans ce que je dis, donc j'ai été très, très heureux de lire ce livre et j'espère lire encore beaucoup, beaucoup. J'adorerais lire tous les Maigret, si on pouvait faire toute la collection des Maigret, je crois qu'il y en a 73 ou 75, j'en ai lu énormément mais pas tous, je serais heureux de les redécouvrir et de les faire redécouvrir à travers la lecture, donc j'étais très flatté d'être Simenon. D'ailleurs c'est amusant parce que moi qui fais des choses très diverses et variées au cinéma et à la télévision, un spectre assez large, je crois qu'on peut le dire. Et quand j'ai fait La mort d'Auguste, j'ai été nominé comme meilleur acteur sur la place de Paris et c'est la première fois que j'ai été nominé comme meilleur acteur. Donc Simenon m'a porté chance. Alors c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Cornillac. Il y avait Cornillac, Kassovitz et moi, mais j'étais déjà très heureux d'être sélectionné pour le rôle que je faisais avec Simenon. Donc j'ai dit, j'ai eu raison d'aimer Simenon. Bien sûr. Alors, Piètre le Letton, je vais vous lire ça avec grand plaisir. Alors déjà, on va peut-être pouvoir montrer aussi ce que j'ai fait. Voilà. Lisez, Lizzie, hein, formidable, avec un magnifique dessin de Loustal, qui est un remarquable, évidemment, illustrateur. Et là, je vais vous lire donc pratiquement le début de Piètre le Letton, qui est donc pratiquement le premier Maigret. Avant, il y avait eu des nouvelles, mais le premier vrai Maigret, c'est celui-là, le premier roman de Maigret, c'est celui-là. Le commissaire Maigret de la première brigade mobile leva la tête, eut l'impression que le ronflement du poêle de fonte planté au milieu de son bureau et relié au plafond par un gros tuyau noir faiblissait. Il repoussa le télégramme, se leva pesamment, régla la clé et jeta trois pelletées de charbon dans le foyer. Après quoi, debout, le dos au feu, il bourra une pipe, tirailla son faux col qui, quoique très bas, le gênait. Il regarda sa montre, qui marquait 4 heures. Son veston pendait à un crochet planté derrière la porte. Il évolua lentement vers sa table, relut le télégramme et traduisit à mi-voix. « Commission internationale de police criminelle à Sûreté Générale Paris ». Police Cracovie signale passage et départ pour Brême de Piètre le Letton. Voilà.